mais ils ne sont pas prêts à planter. Il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui n'ont pas de finances. La minute que tu vas leur dire planter, comme ça vous allez vous recevoir, vous devenez des ennemis tout de suite. Parce que chez eux, ils pensent que tu ne dois pas planter, mais tu dois recevoir. En dehors d'être un pasteur, je suis un businessman et en même temps un agriculteur. Je plante. Dans ma vie, j'ai vu dans le processus de planter, d'attendre la patience et de recevoir les fruits de ce que je plante. Je n'ai jamais voulu voler quelqu'un. Je n'ai jamais voulu trouver quelque chose comme ça là seulement. Bien entendu, si Dieu me bénit en me donnant quelque chose comme ça seulement, c'est bien. Mais moi, j'aime travailler, j'aime faire, j'aime créer. Et je trouve aberrant, je trouve difficile qu'il y ait un certain nombre de gens, ils ne veulent rien faire dans la vie. Ils sont tranquilles, ils sont en train de zapper la télévision, ils veulent aller manger dans les restaurants, ils veulent aller danser dans les bars, ils veulent même aller sponsoriser les veillées, les funérailles. Mais ils ne sont pas prêts à s'aimer dans leur propre vie. Quand ils ont des situations. Et puis ils envient, ces genres de personnes envient encore les gens. Ils disent, lui il a beaucoup d'argent, c'est une famille qui est bien, sa femme est comme ça. Mais nous travaillons pour qu'on arrive à ce point, excusez-moi. Ce n'est pas des choses qui arrivent tout d'un coup comme ça là. C'est le fruit d'un travail. C'est le fruit d'une concentration. C'est le fruit du temps. Et un jour vous allez voir les choses en train de fleurir. Donc, je veux que vous compreniez qu'il y a les secrets. L'un des secrets de la récolte, c'est la semence. Il faut s'aimer. Il faut apprendre à s'aimer. Tout cultivateur le connaît et le sait. Il n'y a pas un cultivateur qui a des champs, que ce soit de maïs, que ce soit les feuilles de manioc, que ce soit les mangues. Vous pouvez nommer quel genre de fruit qui ne connaît pas s'aimer. Mais pourquoi vous ne pouvez pas comprendre que les choses n'arrivent pas au hasard, qu'il faut s'aimer pour que vous récoltez? Voilà ce qui me tracasse avec certaines personnes. Et je prie que toi qui suis cette vidéo à travers le monde, que tu puisses avoir dans ton mental la mentalité d'un semeur pour que tu réussisses à gagner, tu réussisses à avoir. Voilà, il y a des secrets. J'ai suivi mes pères spirituels. Ils m'ont enseigné, va planter mon fils. Plante pour que tu réussisses. Et je l'ai fait. Et je vois des choses se manifester dans ma vie. Cette semaine qui passe, un de mes fils m'a béni avec 1 000 $. Pourquoi? Le dimanche, quand je suis parti à l'église, il y a une église que j'ai visitée. J'ai écouté une voix et j'ai dit à ma femme, l'argent que nous avons planté ça comme offrande de sacrifice. Et dans la semaine, un de mes fils m'appelle de Luxembourg. Un de mes fils spirituels m'appelle de Luxembourg. Il a dit, papa, je veux planter dans ta vie. Je veux s'aimer dans ta vie. 1 000 $. J'ai reçu les 1 000 $. J'ai pris 500 $. J'ai remis à ma femme. J'ai dit, tu connais ce qu'on va faire avec ces 500 $. J'ai repris 500 $. J'ai divisé en deux les autres 500 $. J'ai semé encore dans un autre ministère. C'est de ça que je suis en train de parler. Ce n'est pas des gens qui sont pingres. Comme on dit en portugais, à garadou. Tu bloques l'argent, tu l'argent chez toi, c'est trop l'argent. Non, c'est faux. Il faut donner. Donne. En portugais, on dit da. En anglais, on dit give. Tu m'as entendu? Pratique cela, ce que je te dis. Et à bientôt.